bonsoir et bienvenue sur Meta TV, donc sur la libre antenne, un petit peu en retard, mais bon, ils ont l'habitude. Bonsoir Claude et Lydia Bourguignon, donc nos invités ce soir. Ça va, votre voyage s'est bien passé jusqu'ici? Oui, ça va. Bah, ça va. Bonsoir. Donc voilà, donc nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. Je pense que les métanautes, comme ils se sont surnommés eux-mêmes aussi, vous êtes agronomes. Donc vous êtes des spécialistes, j'ai envie de dire, un peu l'égérie et les porte-parole d'une nouvelle agriculture, en tout cas une nouvelle façon de concevoir l'agriculture. Et en particulier, vous avez beaucoup, beaucoup abordé le problème des pesticides qui polluent les sols et qui tuent la diversité biologique. Et finalement, cet appauvrissement général des sols, bah, c'est toute une chaîne, quoi. Dans la chaîne alimentaire, à la fin, in fine, c'est la nourriture de notre assiette qui est amoindrie en qualité, en valeur nutritive, etc. Et donc vous êtes un peu les spécialistes, si j'ose dire, quand même, de cette discipline. Oui, alors je vais rectifier un petit peu. Oui. Moi, je suis pas agronome, j'ai pas le titre d'agronome. Donc ça, c'est important parce que les gens, il ne faut pas usurper des qualifications qu'on n'a pas. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le constat de la destruction des sols un peu partout. On ne travaille pas qu'en France, nous travaillons dans le monde. Et c'est un constat qui nous alarme et qui pose question, effectivement. Parce que moi, je vous avais entendu dans une interview dire que dans les années 50, on n'utilisait pas de pesticides dans l'agriculture, quasiment pas. Oh non, non, c'était quasiment inexistant. Les pesticides que vous utilisez sont des dérivés des gaz qui ont gazé les Juifs pendant la guerre, la Shoah, qu'on a transformé en DTT, et les produits qui ont été utilisés à la guerre du Vietnam pour défolier les forêts. L'agent orange. L'agent orange, voilà. Donc il a fallu, c'est quand même ces guerres pour pouvoir fabriquer ces molécules qui ont été écoulées, et c'était des molécules militaires qui ont été écoulées ensuite dans l'agriculture. Ah donc, il y a bien donc cette réalité de la transformation de l'industrie militaire, donc en particulier les tanks pour faire les moissonneuses batteuses, et la chimie pour les pesticides, etc. Mais pas que pour ça. Ouais. Ça a été aussi pour les nitrates, parce que là, on parle des pesticides, le côté site donc de mort. Mais en fait, toute l'augmentation d'utilisation du nitrate, qui est considéré comme un fertilisant, puisqu'il faut mettre de l'azote pour avoir des rendements, en fait, c'est aussi un dérivé de la guerre. Parce qu'en fait, le nitrate était utilisé pour la poudre, pour faire de la poudre pour les canons et puis les armes. Et la fabrication de ce nitrate de façon industrielle, au départ, ça a été vraiment pour un objet pour la guerre, a coûté très cher, les usines ont coûté très cher, et quand la guerre a été terminée, en fait, ils n'ont pas fermé. Vous comprenez bien qu'on n'a pas fermé ces usines. Et on a eu montré qu'en mettant des nitrates, entre autres, on augmentait les rendements, donc c'était la porte ouverte pour mettre ces produits de guerre aussi pour la fertilisation des sols. Donc l'agriculture a énormément, les fils de fer barbelés, avant c'était des haies qui étaient taillées, il y avait tout un jeu de travail de tressage des haies pour empêcher que les bêtes s'échappent, et on a utilisé aussi le fil de fer barbelé, qui est quand même un objet aussi pour la guerre. Un objet militaire. C'est incroyable, parfaite, on va dire, corrélation entre l'industrie militaire et l'évolution de l'agriculture moderne. Parce que c'est toute l'agriculture moderne qui obéit à ces règles donc de mécanisation, productivisme. Il y a plus de... Quel endroit dans le monde aujourd'hui où est-ce qu'on cultive encore sans utiliser ces techniques? Ça n'existe pas. Ah, et si, il y a toujours des endroits un peu déshérités qui n'ont pas encore bénéficié de toute cette industrie militaire, agro-militaire, mais l'essentiel, oui, des cultures que vous mangez ont hérité de ce bagage militaire. Et les OGM, ça va dans cette continuité aussi? Parce que ça, c'est vraiment récent, ça. C'est très récent. Oui, là, l'idée, c'est de breveter les graines, parce que depuis des milliers d'années, les hommes reproduisent, les paysans reproduisent leurs graines, ils les ressèment, ils font ça depuis toujours. Et le problème, c'est que c'est gratuit, il n'y avait pas d'argent à faire. Donc l'idée des grandes firmes, c'est de créer des graines brevetées, et créer de telle sorte que les agriculteurs soient obligés de les racheter. Donc le but, il est purement mercantile, c'est forcer les agriculteurs à racheter les graines tous les ans.
tous les ans. Une fois de plus, leur retirer la liberté. Quoi. Mais en fait, on les rend esclaves aussi. Ah, complètement. Plus. Ouais, complètement. Complètement. Le monde agricole, en fait, tout ce qui est agricole et para-agricole, toute cette industrie agroalimentaire, c'est, on a complètement rendu esclaves. Les agriculteurs sont esclaves de ces grandes firmes. Qui ont pignon sur rue et qui, au nom du salut, de lutter contre la faim dans le monde, sont prêts à n'importe quoi. Oui, parce que alors ça, c'est le grand... voilà. C'est... Alors on me dit que mon micro ne marche pas bien sur le chat. Bon, ok, super, tu vas t'en occuper. Ok, super. Donc voilà, au niveau de cette agriculture européenne, on peut dire que... En France, la France était quand même le plus grand pays agricole d'Europe, si je ne me trompe pas là-dessus. Mais elle l'est toujours. Elle est toujours. On s'est fait dépasser par l'Allemagne. Et l'Italie. Et l'Italie, oui, exact. Exact. Comment c'est possible? La France était autosuffisante jusque dans les années 60, et depuis qu'elle s'est lancée dans ce marché industriel, elle est maintenant importatrice de fruits, de légumes, de viande, elle ne se nourrit plus. La France est incapable de nourrir sa population. C'est-à-dire que cette soi-disant propagande qui devait soi-disant nourrir les gens a fait que l'Europe est maintenant le premier importateur d'aliments du monde. L'Europe n'a plus de sécurité alimentaire. Les citoyens européens ne le savent pas, mais ils ne peuvent pas vivre sans l'importation. Ça, c'est énorme quand même comme nouvelle. Ah ben, c'est un scandale. Les devoirs d'un État, c'est de nourrir sa population. L'État français n'est plus capable de nourrir les Français. Et tous les Français, je suis sûr, pensent qu'on est en autosuffisance alimentaire. Non, pas du tout. Non. On a fait disparaître 92% de nos agriculteurs depuis 1950. Comment voulez-vous qu'avec une telle hémorragie dans cette profession, ils puissent nous nourrir? Ils ne peuvent plus, ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux et ils sont plus cette petite agriculture, parce que quand vous disiez dans quels endroits on va retrouver ces agricultures de qualité, en général, c'est ce qu'on appelle, et de façon péjorative, l'agriculture paysanne. Vous avez ça au Mexique avec la milpa, vous avez ça en Asie, où en fait, c'est des gens qui sont hyper productifs au mètre carré. Et donc, en fait, ils produisent, ils arrivent à faire vivre des familles, mais en fait, il faut de la main-d'œuvre, il faut du monde. Quand on a diminué autant ce nombre d'agriculteurs, en fait, ils sont confrontés à des surfaces énormes, donc ils sont dans une industrialisation. Parce que tout seuls, ils ne peuvent pas s'occuper correctement. Enfin, ils sont obligés de faire des cultures assez qu'on peut industrialiser, donc plus de rotation, plus d'association, plus absolument l'abandon, enfin beaucoup d'abandon des bases de l'agriculture. Et ça, la perte des agriculteurs a fait qu'aussi, on a moins diversifié les cultures, puisque ça demande plus de main-d'œuvre. On n'en a pas. Donc on a industrialisé ces cultures. Ouais, donc on uniformise en plus ce qu'on produit. Donc finalement, alors j'ai entendu, je connais aussi le fameux Codex Alimentarius. Mmh. Donc c'est la liste en fait des semences autorisées, c'est ça? En France, c'est ce qu'on appelle le GNIS, mais sur le Codex Alimentarius, on vous parle de liberté, on est soi-disant dans un système libéral capitaliste, et c'est complètement faux. Vous avez un catalogue de semences et vous n'avez pas le droit de commercialiser des semences qui ne sont pas dans ce catalogue. C'est comme si vous aviez un catalogue de voitures, on vous dirait non, cette voiture, vous n'avez pas le droit de l'acheter. Celle-là, vous avez le droit, mais celle-là, vous n'avez pas le droit. Mais ça fera un scandale si c'était comme ça. C'est comme ça avec les graines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est le dernier refuge du stalinisme en Europe, c'est l'agriculture. Mais c'est qui est derrière ça? C'est les grandes groupes. C'est les grands groupes qui possèdent les semences. D'accord. Parce qu'ils ont tout, ils ont les engrais. Monsanto, BASF, enfin pour ne pas les citer, mais c'est ce genre-là. Quoi. Exactement. Parce que ce sont ces groupes-là aussi. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils ont plus, mais bon, ça me paraît évident, d'un point de vue politique, ils ont une influence? Parce qu'on voit les directives européennes, elles vont toujours dans le sens de ouvrir les OGM, l'agriculture. Ça ne va jamais dans le sens inverse, c'est toujours de leur côté. Jamais. Parce que le monde... pour nous, et on le dit très souvent, et ça fait peut-être grincer des gens... En fait, il n'y a plus de politique. Nos présidents, nos politiques n'ont plus de pouvoir. Le pouvoir, il se décide à Davos avec ses multinationales qui choisissent des lignes. Ça va, je suppose que c'est même au niveau pour les pourcentages, pour les électeurs. C'est tout se décide à Davos et on voit bien comment Davos va gérer telle et telle chose avec l'OMC et tout. Les politiques, hélas, au niveau de l'agriculture, je ne sais pas dans les autres, mais au niveau de l'agriculture, n'ont quasiment aucun pouvoir. Ce sont multinationales qui décident.
C'est elles qui décident de tout. En plus, elles ont breveté, comme vous dites, le vivant. Donc, c'est un scandale. Quoi. C'est un scandale, ça. Des graines qui devraient appartenir à toute l'humanité. Voilà. C'est incroyable. Donc, genre, il y a des propriétaires de la tomate, voilà, du machin. C'est hallucinant. Et donc, ils attaquent aussi, non seulement bon, dans ce cahier au GNIS, mais en fait, ce qu'ils attaquent le plus, quand vous achetez, c'est très souvent des variétés hybrides, donc qui ont été sélectionnées quand vous les replantez. Vous n'avez pas de, vous avez des rendements moins importants. Donc, les agriculteurs, les maraîchers ne vont pas utiliser ça. Et il y a une attaque énorme sur les graines paysannes, ce qu'on appelle ces graines paysannes, qui ont peut-être des rendements, il y a cette variété, cette biodiversité dans la graine, mais au moins l'agriculteur ou maraîcher, quand il ressemait, il pouvait, c'était sa propre graine qui ressemait, tandis que là, le monde agricole est toujours obligé de racheter de la graine. Donc ils sont complètement dépendants de ces multinationales. Il faut qu'ils achètent de la graine, et il y a même des graines, si vous ne mettez pas tel produit de traitement ou de fertilisation, enfin de fertilisation, ça ne va pas pousser. Donc ils sont complètement comme ça. En plus, ça, il y a des produits annexes, des options, quoi. Voilà, si options, exactement. Et puis les scientifiques, maintenant, sont un peu vendus à ces grands groupes, parce qu'à la fin du 19e, quand on a trouvé les atomes, immédiatement, il y a des boîtes comme Solvay qui ont dit, bon, on va les breveter. On va breveter des atomes. Imaginez qu'on ait laissé un mec breveter le carbone. Vous voyez, tout votre ordinateur qui est en plastique, il posséderait tout le plastique du monde. Il aurait tout le pétrole, il aurait tout le charbon, vous imaginez, le délire. Alors les scientifiques à l'époque étaient encore honnêtes, qui n'étaient pas vendus à ces gros groupes, disent en sorte de question, les atomes existent dans l'univers depuis toujours, c'est pas une invention, c'est quelque chose qui existe depuis que l'univers existe, on ne brevette pas les atomes. Par contre, pour l'ADN, ils sont laissés faire par les grands groupes, alors que ça a toujours existé ces graines. Je veux dire, c'est pas une invention, vous voyez, il n'y a pas à les breveter. Vous voyez, comment ils ont réussi à détourner le truc. Et maintenant, donc, en plus, comment on peut faire pour les contrer? Parce que ces brevets sont reconnus de façon internationale. C'est-à-dire, quand bien même si, par exemple, en France, on se dit, bah non, nous, on ne reconnaît pas ce droit de Monsanto à posséder ces graines, c'est possible ou c'est... Alors, il y a eu le cas, ils ont voulu breveter le basmati, qui est le riz de toute l'Inde, de la nourriture de tous les Indiens, ils ont voulu le breveter alors qu'il existe depuis toujours. Et là, quand même, le gouvernement indien, enfin, le peuple indien s'est révolté en disant, mais attendez, le basmati, c'est quand même nous. C'est nos ancêtres qui l'ont créé, et ils ont réussi à casser le brevet de Monsanto. Il a fallu que ce soit le peuple indien qui se batte. Quoi, hein. Mais ils en ont cassé un autre, je pense, enfin bon, il faudrait aller un peu plus loin, c'est pour le Nîmes. Pour le Nîmes aussi. Et en fait, pareil, ils voulaient, donc le Nîmes, c'est une plante qui est utilisée en Inde, je crois, pour tout, comme produit de traitement, pour soigner, pour... Et en fait, je ne sais pas si c'était Monsanto. Non, c'est une boîte pharmaceutique. C'était une boîte pharmaceutique qui voulait donc breveter ce Nîmes. Et à ce moment-là, les Indiens ont dit, mais on a ça depuis la nuit des temps. Donc il y a eu une volonté des Indiens de rechercher dans leur bibliographie, dans les peintures, dans tout ce qu'ils pouvaient, la trace qu'en fait ce Nîmes, depuis la nuit des temps, ils l'utilisaient. Donc en fait, on ne pouvait pas le breveter. Et ça a permis de ne pas le faire. Donc, c'est des luttes importantes. Quoi. Il a fallu aller dans les bibliothèques, montrer qu'au 19e ou même avant, en fait, on l'utilisait pour telle et telle chose. Mais quelque part, ça a été... c'était David contre Goliath. C'est David qui a gagné, mais c'est pas évident. C'est pas du tout évident avec ces multinationales. Oui, parce que je sais que même des sociétés comme Monsanto, il paraît qu'ils ont des polices de génétique qui vont dans les champs vérifier. Exactement. Ils font des procès. Des procès aux agriculteurs. Qui souvent ont été contaminés par. Ils sont contaminés, ils n'ont pas choisi. On retrouve des plans. Et là, on leur flanque une amende. Ah non, mais c'est antidémocratique au dernier stade. Le problème, c'est que les démocraties, c'est fragile, et si vous ne faites pas attention, vous savez, la liberté, elle s'en va vite. Si vous ne faites pas attention, il y a toujours des gars qui veulent écraser la démocratie, qui veulent attaquer la liberté. Hein. C'est un système totalement antidémocratique, le brevet des graines. C'est ô combien, j'ai envie de dire, stratégique, parce que l'alimentaire, c'est la base de l'humanité. Il faut manger pour vivre, c'est le seul truc. Hein. On peut se passer d'un iPhone et d'une télévision, mais par contre, on ne pourra pas se passer de manger. Et ça, donc, maintenant, est aux mains d'une industrie agroalimentaire. Quel est le rôle aussi de la grande distribution dans le circuit? Parce qu'on les accuse souvent, je dis ça parce qu'on les accuse souvent, ce qu'on voit, hein, ce qu'on constate, c'est les agriculteurs qui n'arrivent pas à vendre leur production à un prix, on va dire, raisonnable pour pouvoir survivre, puisqu'on leur demande des prix qui sont inférieurs à leur coût de production. Donc, par définition, ils vont dans le mur, ils vont dans le déficit. Et on sait que la grande distribution, elle est impitoyable comme ça, elle a une espèce de...
je sais pas comment on pourrait appeler ça, bah, de pouvoir absolu quoi, sur les agriculteurs, les producteurs qui viennent lui vendre ses produits et elle décide d'un prix souvent inférieur. Comment fonctionne ce système un peu, bon, en fait, comme ils peuvent acheter sur le marché mondial, ils vont chercher ce qu'il y a de moins cher. C'est le même principe que les entreprises qui vont chercher de la main-d'œuvre qui ne coûte rien. Donc ils vont dans un pays, par exemple le Maroc, la production au Maroc, elle coûte beaucoup moins cher qu'en France. Et ils vont vous ramener des camions entiers de tomates qui viennent du Maroc. Et là, évidemment, le producteur français ne peut pas rentrer en compétition parce que lui, il n'a pas les mêmes salaires, il n'a pas les mêmes charges. Il ne peut pas, c'est impossible, pour lui c'est totalement impossible. Et on lui demande de vendre ses tomates au prix de la tomate marocaine. Voilà, de la tomate marocaine. Et donc il perd de l'argent à chaque fois qu'il vend une tomate. Donc, pratiquement, vous faites ce genre de choses. Le problème, c'est que les sols, ils ne sont pas politiquement corrects. C'est-à-dire cultiver des tomates en France et au Maroc, c'est pas la même chose. Hein. Le climat marocain, il est plus favorable au beaucoup plus. Pourquoi que un Almeria pour la fraise, c'est quand même sous serre, c'est du hors-sol, c'est exactement dans des conditions du Nord et pareil au Maroc. Je veux dire, bon là, le scandale de ces exploitations pas chères, c'est parce qu'en fait, ils font venir quasiment des esclaves. Hein. Il y a eu un film qui s'appelle La rançon de la fraise, où en fait, on montre à Almeria comment les femmes sont traitées pour ramasser ces fraises, on leur prend leurs passeports et tout. C'est une forme d'esclavagisme. Donc en fait, effectivement, ces fraises, je prends l'exemple des fraises d'Espagne, mais il y a d'autres, les tomates et tout, peuvent arriver à un prix qui n'est pas compétitif, puisqu'en fait, ces gens-là sont payés. S'il n'y a pas un quota, s'ils ne ramassent pas assez de fraises, bah, de toute façon, on les empêche de travailler, donc ils n'ont pas une journée, ils ne peuvent pas repartir. Enfin, c'est un véritable scandale. Ah, ça, c'est côté espagnol, donc, puisque l'Espagne est une grande productrice de fraises. Mais d'ailleurs, on voit comme il y a quand même l'Espagne étant dans la CE, elle commence à se faire tirer les oreilles. Donc en fait, l'Espagne, ces producteurs sont en train de partir sur le Maroc parce que là, eh bien, il y a nettement moins de règles. Donc de toute façon, il y aura toujours des gens qui sont dans le besoin et qui seront prêts à accepter. C'est terrible, mais la pauvreté la misère fait accepter des choses comme ça. Et en fait, ils se déplacent au Maroc. Et au Maroc, il y a moins de législation. Voilà. Du coup, le droit du travail est plus souple. Parce que j'ai vu aussi en Allemagne, apparemment, les producteurs, les agriculteurs allemands, eux aussi bénéficient de souplesse puisqu'il n'existe pas de SMIC. Et ils concurrencent apparemment de plein fouet les agriculteurs français. Tout à fait. Parce qu'ils font appel à une main-d'œuvre venue de Pologne, de Biélorussie, d'Ukraine. Turquie. Voilà, ils sont payés à 2,50 €. Hein, en Allemagne, vous avez des gens qui travaillent dans les abattoirs à 2,50 € de l'heure. C'est ce qu'on m'a expliqué, 2,50 € de l'heure. Les 1 € job, comme ils les appellent en Allemagne. Et donc, l'agriculteur, c'est impossible parce qu'en France, il est obligé de payer quelqu'un au SMIC, c'est ça. Il est obligé de payer le SMIC. Pas le droit de payer au-dessus. Mais même là où on parle dans un prix extrêmement bas, 2,50 €, mais il est question en Allemagne de mettre le SMIC à 8 €. C'est le désir de politique. En fait, ils veulent revenir et ils veulent faire un vrai SMIC en Allemagne. Mais même si on faisait ce SMIC à 8 € pour les agriculteurs, ça ne va pas non plus, puisqu'en France, le SMIC, il n'est pas à 8 € brut, hein. Il est à 10 €, enfin 9,70 €, quelque chose comme ça. Donc de toute façon, rien que ça, même dans quelque chose de légal au niveau de l'Europe, l'Allemagne, qui est pourtant à côté, paiera moins cher. En Italie, le SMIC n'est pas aussi fort, aussi élevé que chez nous. Donc en fait, de toute façon, si on voulait une harmonisation pour les prix européens, il faudrait une véritable harmonisation au niveau des charges sociales et au niveau du SMIC, au niveau de tout ça. C'est compliqué alors au niveau européen d'harmoniser tout ça, parce que personne ne va s'entendre, personne ne sera d'accord. Parce que finalement, ce système-là, on peut dire qu'il arrange les Espagnols quelque part. Tout à fait, oui. Voilà, il arrange certains pays qui même voilà, aujourd'hui les Allemands profitent de ce système. Donc ça va être impossible de s'entendre, personne ne sera d'accord. En fait, est-ce qu'il faudrait, pour que la France, on va dire, reprenne le bon chemin sur ce secteur de l'agriculture, reprendre, on va dire, notre souveraineté en matière de décision et pratiquer une forme de protectionnisme, peut-être? Est-ce que c'est une solution? Enfin, je pense que le devoir d'un État, c'est de nourrir sa population. Et s'il y a un secteur de l'économie qui doit être protégé, qui ne doit pas être mis dans la violence de la mondialisation, c'est l'agriculture. Parce que vous n'avez pas des égalités, il y a des zones froides, il y a des zones chaudes, il y a des zones où il neige pendant très longtemps. Vous n'êtes pas comme dans l'industrie, fabriquer une voiture au Danemark ou en Espagne, c'est toujours fabriquer une voiture, mais faire des fraises au Danemark ou des fraises en Espagne, c'est pas du tout la même chose. Donc à partir du moment où il y a une inégalité naturelle, moi j'estime que le rôle d'un État, c'est de protéger ses agriculteurs.
Donc voilà, en plus, c'est quasiment, j'ai envie de dire, presque la seule solution, qui est une forme de protectionnisme, parce que si, quand bien même, on imagine, allez, la France, elle sort de la PAC, bon, elle n'est plus dans l'Union Européenne, elle reprend ses décisions, si, de toute façon, on est encore concurrencé avec des, voilà, des fraises qui viennent du Maroc et des tomates qui viennent, je ne sais pas, de Turquie, etc., ça ne changera rien, on sera toujours dans le même problème. Il faut, toujours. Toujours. Puis, on aura, je crois, à peu près quelque chose comme 5000 hectares d'arbres fruitiers chaque année en France parce qu'ils n'arrivent pas à être compétitifs avec des fruits importés. Le problème, c'est que vous faites quoi maintenant sur ces sols? Donc, ça devient de la friche. Donc, la France se couvre de friche. Donc, c'est des terres qui ne produisent plus, qui ne nourrissent plus des hommes, qui ne font plus d'économie. C'est du désert humain. Je ne vois pas l'intérêt pour un pays de créer du désert humain. Un pays comme la France arrache constamment du vignoble parce qu'elle a des concurrences de vin beaucoup moins chères. Et on fait quoi sur une terre de vin? Vous ne pouvez plus rien faire pousser sur une terre de vin. C'est terre pauvre, c'est des terres qui sont conçues pour le vin. Donc voilà, ça fait du désert. Enfin, pour moi, c'est une politique catastrophique. Oui, parce que souvent, je veux dire, ces dernières années, on a accusé justement les agriculteurs d'être justement les pollueurs, ceux qui ont pratiqué cette agriculture productiviste et très polluante. Je pense que c'est assez récent de prendre conscience que finalement les agriculteurs sont des grandes victimes. Comme nous, les agriculteurs et nous consommateurs, c'est nous qui sommes les victimes de ce système. Et c'est pour ça que les agriculteurs, vous savez que c'est la profession qui se suicide le plus en France. Il y a un suicide par jour. Un suicide par jour dans le monde agricole. Tellement ils sont au désespoir parce qu'ils se font accuser de polluer. C'est pas eux qui ont créé ce système. Ça leur a été imposé par en haut, par des chambres d'agriculture. Donc ils peuvent pas non plus, il faut pas comprendre qu'ils se suicident, ces gens-là. Je comprends parfaitement. Je crois qu'ils sont très conscients du problème de la nourriture qu'ils font. Et ça, je pense aussi, il y a le fait qu'ils soient pris, mais on côtoie des agriculteurs qui, en fait, savent pertinemment qu'ils ne font plus la qualité, la qualité a énormément baissé. C'est comme si un menuisier ne faisait plus, au départ, faisait des belles tables et puis on lui donne du mauvais matériel et que, en fait, il sait que la table va se casser au bout de... Eh bien, les agriculteurs ont cette conscience. Ils savent très bien que les produits qui sortent de chez eux n'ont pas la qualité qu'il y avait avant. Et je pense que ça, pour un agriculteur, c'est très très dur aussi à accepter. Parce que, sa terre est mal. Il sait que sa terre est fatiguée. Mmh. On dit que, d'ailleurs, elles sont fatiguées. On dit que les terres sont fatiguées, comme nous. Mmh. Il sait que, il est complètement coincé. On lui achète mal ses produits. Il sait que c'est pas bon. Il sait que... Ça, c'est terrible. Il est critiqué par les consommateurs. Ouais. Donc, de tous les côtés, ça va pas. Oui, et puis en plus, alors, un agriculteur, à ce que j'ai compris, ils sont pris dans une espèce de spirale où on leur impose des normes et des remises constantes où ils doivent investir constamment. Ça provoque la ruine même de certains parce que c'est impossible à suivre, par exemple, parce qu'ils doivent acheter des nouvelles machines. Ils peuvent pas. C'est-à-dire que la façon dont, par exemple, l'industrie fromagère fait pour éliminer les petits producteurs qui nous aident vraiment des fromages fermiers, c'est tout simple, on fait imposer à l'Europe, par du lobbying, des normes d'hygiène extrêmes, qui fait qu'à l'heure actuelle, une fromagerie, c'est à peu près 150 000 euros d'investissement. Comprenez bien que le petit éleveur de chèvres ou de moutons qui vend quelques fromages au marché dans la semaine, on lui demande de rembourser 150 000 euros, il ne peut pas, donc il ferme. On lui dit, monsieur, vous êtes pas dans les normes imposées par la CE, vous dégagez, on ne veut plus de vous. Et hop, ça fait encore une zone qui se désertifie. Alors qu'il faisait un fromage extra, et d'ailleurs les premiers morts par fromage, c'est l'industrie qui l'a fait. Il n'y avait jamais eu d'accident d'intoxication par les fromages jusqu'alors. C'est l'industrie avec les listeria qui a tué des gens. Alors que jamais dans la production paysanne, il n'y avait eu de mort d'accident par le fromage. Mais on fait croire aux gens, par exemple, tous ces produits, on vous le dit toujours, c'est que, en fait, vous avez une garantie sanitaire, c'est très propre. Maintenant, les fromageries, c'est des usines à gaz, il y a des produits pour tout stériliser, pour qu'il n'y ait plus un microbe et tout. Et ce que explique Claude, c'est que quand on est dans du trop propre, à partir du moment où vous avez un germe pathogène, il est tout seul. Donc il va se multiplier, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie. C'est comme vous, quand on vous donnait des antibiotiques, eh bien, si vous êtes, que vous en avez pris beaucoup, puis que vous côtoyez quelqu'un qui est malade, vous n'avez plus de flore intestinale pour vous protéger, c'est le grand boulevard pour le pathogène et ça va aller. Autrefois, on donnait de l'ultra-levure pour refaire cette flore intestinale. Eh bien, dans ces fromages pasteurisés, s'il y a un petit problème dans la fromagerie,
c'est la listeria qui va, ou les salmonelles qui vont se multiplier, et en fait le produit devient hyper toxique. Dans une fromagerie qui est propre, pas stérile, propre, c'est-à-dire faut pas que vous ayez de la moisissure partout, on nettoie, mais qu'on a gardé cette diversité, ces niches prises par plein de germes qui faisaient ces excellents fromages, eh bien en fait c'est comme dans la compétition, ce pathogène il vient, il y a tellement d'autres microbes qui sont là, eh bien il va pas forcément pouvoir se multiplier, parce qu'en fait ça va être la lutte pour, avec les autres. Ouais. Vous voyez, et ça c'est très très difficile à faire comprendre. Il faut faire la différence entre la stérilité, c'est-à-dire qu'on n'est rien du tout, et puis la propreté. Il faut que dans les vignes, que dans les chais, il faut que ça soit propre. Dans les gens qui font la charcuterie, il faut que ça soit propre. Les fromageries, il faut que ça soit propre. Mais on n'a pas besoin de stérilité ou de choses trop stériles. Parce que s'il y a un pathogène, et comme dit Claude, c'est dans les fromages pasteurs, enfin dits industriels, qu'on a eu le plus d'accidents. Ah oui, non, mais c'est important ce que vous dites, le paradoxe total, quoi, parce qu'en fait compte, oui, c'est cette diversité qui fait la protection. Voilà. Parce que moi je suis allé visiter, ça me rappelle chez un ami, je le salue, Édouard Claire, qui est vigneron donc en Bourgogne, et donc on a visité sa cave. Alors sa cave, c'est stupéfiant, elle est couverte de champignons. Et je lui ai dit, ce sera le cauchemar d'un inspecteur de l'Union européenne qui viendra là et qui se dit, il faut arrêter tout de suite. Ah, c'est ça, jamais. Il faut pas, voilà, faut tout arrêter, voilà. Parce que la cave est couverte de champignons, ouais. Et il m'expliquait en substance la même chose, qu'il me disait, c'était l'équilibre biologique, etc. Exactement. Etc. Il n'aura pas d'accident dans ses vins. Et il n'aura pas d'accident dans ses vins. C'est quand même c'est des choses très importantes, parce qu'en plus, ça veut dire que si nos ancêtres ont fait ces techniques-là, ils l'avaient déjà expérimenté, ils le savaient. On n'invente rien, puisque ça fait des siècles quand même qu'on fait du fromage, qu'on fait du vin. Ils savent parfaitement, ils étaient confrontés au même problème, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc, mais vous étudiez la microflore d'un fromage fermier, c'est plusieurs centaines d'espèces de microbes. Un fromage industriel, c'est 3. Il y a 2 microbes qui font la pâte, 1 microbe qui fait la croûte, c'est tout. Donc c'est un milieu d'une très très grande pauvreté, alors qu'un vrai fromage, d'ailleurs, c'est pour ça que ça n'a pas de goût d'ailleurs, ces fromages, parce que donc, quand il y a beaucoup d'espèces, d'abord il y a un parfum, chacun fabrique une molécule odorante, un arôme, et le fromage est bon, et puis surtout c'est un milieu qui est complètement stabilisé, parce qu'il y a tellement de monde là-dedans que le pathogène, il peut pas y aller. Trop tard, non, désolé, il n'y a plus de place. Voilà, c'est comme, j'avais vu que quand vous parliez des sols, par exemple, vous disiez que c'était important qu'il y ait des acariens, qu'il y ait des choses fausses. Voilà, bon, moi qui j'étais allergique aux acariens, donc ouais, les acariens, j'ai une hantise depuis que je suis petit, mais vous expliquez justement, c'est très, très sain qu'il y ait une diversité des acariens, des colamboles, des vers, des insectes. Voilà. Ouais. Alors que nous, ça nous fait peur maintenant, parce que les gens, est-ce que les gens aussi ne réclament pas aussi cette agriculture un peu aseptisée? On veut des tomates toutes propres, on veut pas. Est-ce qu'on n'a pas été un peu formaté aussi? Oui, qu'on a créé un mythe, nous, effectivement, le microbe. Les gens ne pensent que le microbe, ce n'est qu'un pathogène. C'est le microbe qui fait la maladie, c'est le microbe qui fait que les gens meurent. Mais en fait, si nous n'avions pas les microbes dans notre flore intestinale, s'il n'y en avait pas dans la terre, s'il n'y en avait pas chez les animaux, on n'existerait pas. C'est pour la mer, pour tout. Les microbes gèrent pratiquement toute la planète. Il y en a des pathogènes, effectivement, qui vont donner des maladies, mais il y en a énormément qui sont nécessaires à la vie. S'il n'y en a pas, mais on a tellement mis dans la tête ça pour les microbes, par exemple pour le sol. Nous, des fois, on travaille avec des petits enfants, et les parents sont complètement paniqués quand ils touchent un ver de terre. Mais un ver de terre, c'est pas sale. Dire à quelqu'un qu'un ver de terre, c'est propre, il vit dans la terre, mais la terre, c'est pas sale. Et un ver de terre, quand vous le touchez, à la limite, je veux pas dire il est aussi propre que nous, mais quasiment. C'est parce que on a tellement critiqué tous ces animaux du la terre, c'est noir, c'est sale. Quand les gens disent la terre, c'est sale, non, la terre, c'est pas sale. La poussière, c'est sale. Quand vous êtes dans certains endroits, effectivement, ça, c'est de la saleté qui peut être dangereuse. Mais la terre, c'est pas sale. Et ce mépris de ce monde souterrain, avec, on dit, ça grouille de grouille et tout, non, ils sont indispensables à la vie. Et il faut, nous, de temps en temps, on montre aux enfants ces colamboles, ces acariens, ces petites choses et tout, pour leur dire, mais vous savez, vous pouvez les écraser, ils sont hyper importants. Oui, voilà, parce qu'il y a peut-être, c'est
très bonne transition, parce que justement, c'est une éducation, ça, certainement. Il faut peut-être revenir aux enfants, leur apprendre les choses de base, parce que je suis assez stupéfait aujourd'hui de voir les enfants qui ne savent pas reconnaître les fruits et les légumes. Ah, ça fait, hein. Ah ben oui. On leur montre un poivron, ils croient que c'est une pomme de terre. Enfin, on est vraiment... il y a vraiment eu, je sais pas, quelque chose qui s'est passé, une rupture. Une rupture complète. Il y a une rupture totale. Une rupture complète de plus de la moitié des gens maintenant vivent en ville, ouais. Sur la planète. Donc il y a une rupture complète avec le milieu naturel, et c'est vrai que les gens, on est obligé de leur mettre des panneaux sur l'autoroute avec écrit vache, maïs, parce que ils sont là, ils savent pas. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont de la ville au champ de ski, ils vont de la ville à la mer, et puis ils traversent le pays à toute allure, mais ils voient pas que les zones où il y a du vin, les zones où il y a des fruits, des poires, des pommes, ils savent pas distinguer sur un arbre. Donc c'est vrai qu'il y a une perte de savoir. Hein. Oui, et puis beaucoup de mers, et puis parce que on a placé ces choix, et ces passe-temps, ce qu'on voudra, on a déplacé, parce qu'on entend, oui, mais faire de la cuisine, aller acheter. Et beaucoup d'enfants, en fait, ne sont confrontés qu'à une chose qui est cuisinée, qui est déjà préparée. Oui, oui, oui. Ils voient très très peu leur mère ou leur père, parce que pourquoi toujours les femmes, les hommes peuvent aussi cuisiner, il y a de très très grands cuisiniers. Mais par exemple, prendre un poivron, l'éplucher, et quand vous épluchez un poivron, il y a une odeur. Donc en fait, à ce moment-là, on interpelle l'enfant en disant, ben oui, ce légume, il a une odeur très particulière par rapport à la tomate ou la pomme de terre. Mais dans beaucoup de cas, il y a des enfants qui ne voient pas leurs parents cuisiner. Donc acheter ces variétés de courgettes, d'aubergines, donc ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils n'ont le jamais vu. Ils n'ont jamais vu, c'est ça. Cuisiner, four à micro-ondes, puis voilà, quoi. Congèle, four à micro-ondes, c'est tout ce qu'ils vont faire comme opération culinaire. Donc, c'est réduit, hein. Ouais, parce que c'est ça, moi je suis assez stupéfait, voilà, de voir cette rupture, les gens qui sont complètement ignorants, voilà, ne savent plus, et surtout les enfants qui ne savent plus reconnaître les légumes, ne savent plus. Il y a vraiment une éducation, quoi, à faire là-dessus. Et justement, je disais aussi, est-ce que les gens, voilà, comme on les a trop habitués à ces produits trop parfaits, trop bien. Parce que on a ce réflexe, même en tant que consommateur, j'ai le choix, on me présente 30 tomates, il y en a une qui est un peu abîmée, ben je ne vais pas la prendre. Alors qu'elle n'a rien en fait, elle est juste un petit peu. Voilà. Mais elle va rester là et tout le monde va avoir ce réflexe-là. Alors que finalement, il paraît que même les distributeurs, des fois, ils les enlèvent, ils disent, ouais, tous les ceux qui ont des petits problèmes, les gens hein, ils les enlèvent, ils n'en veulent plus. Parce qu'ils disent, on ne va pas les vendre, de toute façon, les gens ne les prennent pas. Parce qu'on a créé ça. C'est-à-dire, il ne faut pas. Je pense que le consommateur, bon, effectivement, il y a des gens qui disent, bah oui, mais c'est le consommateur. On a créé ça chez le consommateur, parce que on a, moi je le pense, hein, parce que quand j'étais enfant, je veux dire, quand on achetait des bananes, elles avaient ces petits points noirs, on pensait que, moi ma mère me disait, ah ben oui, elles sont comme ça parce que c'est des canaries, mais si t'achètes, et je pensais que la banane, ben, en fait, la canarie, elle avait ces petits points. En fait, ces petits points, c'est parce qu'il y a un petit insecte qui va piquer la peau extérieure et qui va le marquer, et puis ça va, elle va noircir. Mais l'intérieur de la banane était parfaitement, elle n'était pas du tout touchée, ça ne posait pas de problème. Et en fait, je doute fort que ce soit le consommateur qui a dit « je veux des bananes jaunes », puisqu'en fait, pratiquement, moi je me souviens, quand on était enfant, des bananes jaunes, on n'en voyait pas beaucoup, et je dirais même qu'on ne les achetait pas parce qu'on pensait qu'elles n'étaient pas mûres, qu'elles étaient vertes. Enfin, moi, c'était souvenir comme ça. Donc en fait, on a créé cette propreté, cette stérilité, et... En la créant, en plus, on a fait des légumes de plus en plus gros. La pomme de terre, si elle était un peu, il y avait un peu de tavelure, ces petites taches, ben oui, mais quand vous l'épluchez, il n'y a rien. Et je pense qu'on a créé cette chose chez le consommateur. Et maintenant, le consommateur, effectivement, s'il voit une tache dans un légume, il n'en veut pas. Mais je ne suis pas persuadée qu'au démarrage, c'est lui qui a dit, il est taché, j'en veux pas. Il est flétri ou il a une tache de pourri, ah là, effectivement, vous allez le mettre de côté, vous n'allez pas l'acheter. Mais quand la pomme, elle avait des fois un petit... parce qu'elle avait été touchée, des fois, ça faisait une petite cicatrice sur la pomme et il y avait un creux, bah, on l'avait dans l'assiette. Maintenant, on les lustre, elles sont brillantes, on se voit dedans. Et je pense qu'on a créé ça. Petit à petit, on a amené le consommateur à vouloir ce genre de fruits ou à vouloir ce genre de légumes. J'avais vu une émission, c'était en Roumanie,
où ils ont une variété de, ils ont énormément de semences paysannes, et il y avait des paysans qui disaient que il y avait, je me rappelle plus, c'était sur Arte, donc peu importe, et en fait il y avait des paysans anciens qui avaient des variétés d'aubergines, mais l'aubergine, et des fois vous le voyez, bah elle est soit elle est pas bien droite et tout, elle est un peu tordue et tout. Et en fait, ils étaient en train d'amener des graines qui allaient faire pratiquement l'aubergine, qui allait rentrer dans la boîte longue et tout. Et ces paysans disaient, c'est de la mort pour nous, parce que plus personne ne voudra de nos légumes, parce qu'ils sont pas beaux. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils étaient goûteux. Et en fait, avant, ils le vendaient. Donc on crée, je suis persuadée qu'on a créé ça chez le consommateur. Aujourd'hui, donc tout le monde est un peu formaté, si je veux dire. Complètement. Au contraire, il faut toujours essayer de choisir les plus petits fruits, les plus petits légumes. Vous avez plein de navets, prenez plutôt les plus petits. Genre, ils ont échappé aux engrais, ils sont plus goûteux, ils sont plus parfumés. Ah, il faut plutôt avoir le réflexe un peu. Quand c'est trop gros, méfiez-vous. D'accord. Écoutez, ça va, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, on nous dit, alors il y a beaucoup de commentaires, parce qu'évidemment, je n'avais pas regardé, et ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, voilà, de toute façon, ils peuvent contrôler pour savoir si c'est leurs graines ou les vôtres, et même breveter des graines, en quoi empêcher d'utiliser? En quoi ça empêche d'utiliser ses propres graines? C'est Ozzy qui pose la question. Est-ce qu'on peut, c'est vrai, utiliser ses propres graines, mais on est illégal, c'est ça? Ah oui, c'est illégal. Ça, si vous êtes particulier. Ça, si vous êtes, voilà. Si vous êtes particulier, vous pouvez utiliser vos propres graines, d'accord, heureusement. Ouais. Mais effectivement, il y est question d'empêcher les maraîchers et les autres. Parce que ça se fait aux États-Unis, il semble qu'il y a une ça se fait aux États-Unis, vous confirmez, que c'est interdit dans certains États. Si vous devez vendre vos graines, vous les vendez à une coopérative, etc. Si vous n'avez pas la variété qui est étiquetée sur le catalogue. Si vous vendez peu vos tomates et tout, vous êtes dans l'illégalité. Mais un particulier, il peut. Trafic de graines. Trafic de graines, voilà. Oh là là. Alors ça va chercher de moi. Non, mais c'est énorme. Alors on nous dit, c'est vrai, ce service, il brevette le vivant, l'eau, l'air, bientôt des richesses naturelles destinées à tout le monde à l'origine. C'est des putains de sangsues qui nous spolient en toute légalité et avec du cynisme. Ah oui, complètement. C'est tellement vrai. Voilà. Il y a 100 KO qui dit la grande distribution gaspille la bouffe. C'est hallucinant. 40% de la nourriture est gaspillée. Entre 30 et 40%. C'est un scandale absolu. Alors qu'il y a 1 milliard d'hommes qui souffrent de ça. C'est un scandale absolu, cette histoire. En plus, voilà, il y a des lois qui empêchent, en plus, qu'ils mettent de l'eau de Javel, on sait, l'empêcher. Pour que les gens ne mangent pas et tout. Vraiment être sûr que personne ne mange. C'est un scandale. Et Claude fait souvent la remarque en disant, quelque part, on est guère mieux, on critiquait les gens, mais autrefois, les gens perdaient 30 à 40%, non pas par mal conservation et tout, mais parce qu'il y avait par mal conservation, parce qu'il y avait des charançons, parce que des souris et tout. Mais en fait, on gaspille autant de nourriture, mais nous, on la jette parce que on peut pas la conserver. Mmh. Le pain est trop dur, les fruits qui sont gorgés d'eau, très vite ils se flétrissent, très vite ils s'abîment et tout. Ils sont beaux comme vous venez de les acheter, vous les laissez 2 jours comme ça dans c'est fini quoi. Ça pousse. Alors on me disait que la majorité c'est des techniques hydroculture. Voilà, c'est hors sol. Hydroponique, voilà, c'est hors sol, voilà. 99% des tomates et des fraises sont hors sol. Et voilà, il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de terre du tout. C'est presque hors paysan, puisque c'est des serres automatiques. Il n'y a pas besoin d'hommes pour les pots sont soulevés, arrosés, trempés. C'est souvent des choses complètement automatisées avec ordinateur. L'irrigation tombe toute seule. Il n'y a même pas besoin que c'est hors sol et hors homme. C'est bien quand même. C'est un grand progrès. C'est quand même extraordinaire. Mais et en plus, c'est une dépendance totale. Si on continue comme ça, bon, on va déjà pas mal dans le mur, mais pour faire une tomate, pour faire une calorie de tomate hors sol, il faut 36 calories fossiles. De pétrole. Ouais. C'est-à-dire que l'agriculture moderne n'a jamais été autant dépendante du pétrole qui est de plus en plus rare. Donc de toute façon, rien que ça, ça devrait faire réfléchir tout le monde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de pétrole, on ne peut plus faire d'agriculture dans plein d'endroits. Parce que les engrais en utilisent, parce que les serres en utilisent, les pesticides, les tracteurs. Et en fait, toute l'agriculture est basée sur cette énergie fossile qui est en train de disparaître. Donc on pourrait quand même se poser des questions, quoi. Ah ouais, c'est sacrément, il faudrait vite se les poser, parce qu'effectivement, on arrive au pic pétrolier, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on sait que ça ne va pas durer ad vita aeternam. Et l'agriculture est complètement dépendante du pétrole. Quoi. Là, ça veut dire complètement. Imaginez que le pétrole monte à $300 le baril. Ça veut dire que la nourriture... Ah oui, automatiquement.
Donc il y a 1 milliard de gens qui ne pourront plus s'acheter à manger. Parce que la grande augmentation qu'on a connue récemment, parce que là, on peut dire que ces 10 dernières années, le prix de la nourriture alimentaire a explosé. Le pétrole est passé à 100 dollars, le baril est passé à 30 dollars. Il est divisé par 3 le pétrole. Moi, quand je vois, je dis, j'ai acheté une bouteille d'huile encore. Quand on traduit les prix en francs, parce que je repense toujours, et que je vois quoi, une bouteille d'huile qui est quasiment à 3 euros, ça fait 20 francs une bouteille d'huile. Mais vous n'avez pas idée du pétrole. Mais de c'est enfin, du temps des francs, c'était pas 20 francs une bouteille d'huile. Mais non, mais le pain aussi, mais même, c'est... effectivement, on a transformé l'euro pratiquement, 1 euro égale... Un franc, c'est ça maintenant. Ça multiplie par 6, quoi, en fait, tout ce qui est... Et ça ne pourra aller qu'en opérant si on ne fait pas un effort, puisque de toute façon, le pétrole ne va pas baisser. L'énergie ne va pas baisser. Et comme on fait de plus en plus de cultures hors sol, surtout dans les légumes, dans les fruits, dans les légumes, les tomates, les concombres, les fraises... Ah oui, ça devient généralisé. Et donc c'est totalement généralisé. Et puis on peut quand même imaginer que toute l'humanité serait sous perfusion. Parce que c'est ça aussi la culture hors sol, c'est qu'en fait ces légumes sont perfusés avec une solution nutritive qui est identique par tout le monde. C'est quoi? C'est des racines comme ça qui sont dans un... Non, mais on leur met un... laine de verre, et puis on arrose avec une solution nutritive. On leur donne le calcium, le phosphore, le potassium, ce dont ils ont besoin. Mais c'est la même solution pour tout le monde. Donc imaginez que vous, tous les hommes, et c'est tout, il n'y en a qu'à imaginer. Il n'y a plus ce que... On occulte complètement la notion du terroir, d'une plante, d'un légume, d'un fruit qui a poussé dans un endroit particulier, avec un climat particulier, et qui donne ces fameux goûts dont on parlait. On parlait du port de Paris, on parle du port de Bayonne, on parlait des fraises de Plougastel, on parlait de la carotte nantaise. Et en fait, il y a plein de produits. En fait, on mettait la ville à côté, donc c'était bien la notion de terroir. En culture hors sol, c'est fini, ça n'existe plus. Oui, puisque chaque sol a une spécificité, donc parce qu'il y a un taux de salinité, d'acidité, etc., qui est propre à chaque culture. À chaque culture, d'accord. Et c'est pour ça que le hors-sol n'a aucun goût. C'est que le hors-sol, comme il est fait, on est incapable de créer la richesse du sol, qui est un milieu très très riche. Les microbes du sol donnent à manger énormément d'éléments aux plantes, et c'est pour ça qu'une plante qui va pousser sur un terroir va être parfumée, va avoir des arômes. Mais quand c'est hors-sol, comme on est incapable de donner tous ces éléments, ça coûterait beaucoup trop cher. S'il fallait donner du sélénium, du cobalt, vous imaginez ce que ça coûterait. Donc on ne peut pas le faire. Résultat, vous avez une tomate, la couleur d'une tomate, la forme d'une tomate, vous la mangez, il n'y a strictement aucun goût. Alors que la tomate de Clinchamp, c'est un délicieux légume, la tomate. C'est vraiment excellent. La tomate de Clinchamp, c'est un régal. Quoi. Mais les fraises, pareil, vous achetez ces grosses fraises espagnoles qui avaient cartonné, là. Aucun goût, elles sont creuses à l'intérieur. Elles sont bizarres. Aucun goût. Alors qu'une vraie fraise de Clinchamp, c'est un bonheur. C'est un bonheur pour les. Donc il y a aussi cette perte de plaisir de manger, ce qui fait que les gens, ils achètent du plat cuisiné, ils se foutent devant la télé, ils regardent un match de foot, ils bouffent une pizza industrielle. Quoi. Il n'y a plus ce plaisir de bien manger, quoi. Puis de dire, tiens, c'est la saison des asperges, c'est la saison des fraises, c'est la saison des cerises, vous voyez, c'est vivre avec sa saison. Donc, les gens sont complètement déconnectés. Oui, parce qu'en plus, on est déconnectés, parce que aussi, avec ces caprices de la mondialisation, on veut des fraises au mois de décembre, et on veut des tomates en février. Enfin, on est aussi habitué à ça dans le monde de consommation, alors qu'en fait, avant, les gens, ils mangeaient des légumes de saison. Bah, s'il n'y a pas de fraises en décembre, il n'y a pas de fraises en décembre, puis c'est terminé, vous en mangez le mois de juin, c'est tout, vous attendez. Mais c'est la première chose qu'on devrait faire, c'est réexpliquer ce que c'est que les saisons aux gens. Et qu'en France, effectivement, les fraises, elles sont au mois d'avril, au mois de mai, faire comprendre, ça serait déjà une démarche extrêmement citoyenne et extrêmement bénéfique pour la planète. En plus, là, Claude parlait des problèmes de culture hors sol qui n'avaient pas de goût. Et il faut savoir, dans les cultures hors sol ou même dans d'autres cultures très intensives, avec une utilisation de beaucoup de nitrates, ça, il y a très très peu de gens qui le savent, effectivement, ça va faire des très très beaux légumes. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ces molécules, l'azote, donc N, le phosphore, P et K, le potassium, en fait, on dit que c'est les éléments de la turgescence. C'est-à-dire que par un mécanisme chimique, vont faire rentrer beaucoup d'eau dans la cellule du légume ou du fruit, ou même de la viande, du muscle. Donc en fait, ça vous fait gonfler votre pomme, votre poire, votre courgette, vous voyez. Donc en fait, c'est très gros, mais en finalité, c'est de l'eau. Et donc vous payez l'eau au prix de la tomate et au prix du filet de bœuf.
Mais au niveau nutritif de la qualité de, du pourcentage d'éléments, il n'y en a pas plus que si la pomme était petite. Ouais. Par contre, au niveau des rendements, c'est spectaculaire, puisque vous pouvez vous augmenter vos rendements, mais par de l'eau, pas par la, voyez, pas par le, la, la qualité. Par la qualité de... hein, ouais, ouais. Et ça, on a leurré beaucoup les gens aussi ouais. avec ça. En fait, c'est gros, c'est beau, c'est beau ouais. mais et ça explique pourquoi les légumes ou une salade ou certains légumes, vous les laissez un jour, se flétrissent complètement, ouais. puisqu'en fait, cette eau va, va un peu ben, se, s'évaporer et tout, et à ce moment-là, la peau se flétrit. Voilà. Ouais, d'où, effectivement, quand on compare pour ceux qui ont des jardins, et puis bon, moi j'ai fait pousser mon petit potager aussi, donc j'ai des petits légumes de temps en temps, mais on voit une différence incroyable. Énorme. Parce que les tomates, elles sont dures, et puis elles sont chères, mais elles se conservent, elles ne pourrissent pas, elles mettent beaucoup plus de temps avant de pourrir, mais vraiment, quoi, c'est vraiment. Alors qu'effectivement, les légumes qu'on achète, même les bananes d'aujourd'hui, elles se... elles deviennent très vite grises, brunâtres, tout de suite, ça change de couleur. Voilà, elles sont belles au magasin, voilà. Deux jours après, c'est terminé. Oui, mais ça, c'est l'utilisation de tous ces produits. Donc, c'est pareil, quoi. Si vous devez acheter... alors, les gens disent, oui, les gens qui font de la belle culture, enfin, en agriculture biologique, on entend toujours, oui, c'est beaucoup plus cher. Mais si on ramenait réellement au, au poids du produit sec, ce qu'on appelle, on enlève toute l'eau, on pourrait peut-être se poser des questions, parce que si vous avez 10 ou 10% de plus d'eau, ben vous achetez 10% de moins de viande, au lieu d'acheter 200 grammes, vous en achetez 190 grammes ou 180 grammes, ben donc ça va vous coûter ces 20, fameux 20%, et, mais vous avez un produit qui est nettement plus de qualité. Ouais. Donc il faut, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand les gens disent oui, ça c'est trop cher. C'est... il faut comparer ce qui est comparable, un produit égal et un produit de la même qualité. Ah oui, très, non, mais très, très important. Ça compte. Donc, je sais une fois avec Lydia en Irak, on était dans le Kurdistan, on aidait des Kurdes à cultiver dans des coins vraiment perdus en montagne, et au repas de midi, le gars est arrivé avec un plateau, on était 15, et puis attention, des loulous avec Kalachnikov dans le dos, c'était pas, les, c'était pas, les, voyez, c'était pas le genre rachitique. Hein. T'es avec un plateau, et sur ce plateau, il y avait du pain, il y avait du fromage de chèvre, du miel, et on avait chacun un œuf sur le plat, mais orange, hein, l'œuf était orange. Et là, avec les gars, on s'est dit, on va pas avoir... Non, non, puis il y avait ce canard des... Et puis il y avait ce... Il y avait, oui, une espèce de... Des olives. Des olives. Il y avait des olives. Mais sur un plateau qui était grand comme ça, on était 15. On s'est tous regardés, on a dit... Bon, on va crever de faim. Rien du tout, on était calés complètement. C'était... Tellement c'était concentré, quoi. Mais les poules couraient dehors, c'était du miel, du vrai miel d'abeille, c'était extraordinaire. En fait, on se sentait nourri. Alors que l'alimentation moderne, vous, les gamins, à 10h, ils ont faim, ils se mangent une cochonnerie de sucreries, c'est pas bon pour leur santé. Hein. Ah, c'est clair, la qualité des légumes aujourd'hui, elle est vraiment... Le bain, regardez, il devient caoutchouc le soir. Dès qu'on l'utilise en fin de journée, il est plus bon. Il est plus bon. Il est tout mou, en une journée, il est tout mou. Avant, un pain, on le gardait une semaine. Il était bon, il restait goûteux. Mais c'est très dur parce que des gens qui vont nous entendre, surtout des agriculteurs ou des maraîchers, vont dire les bourguignons, ils exagèrent, on nous stigmatise et tout. Ils sont pas, beaucoup ne sont pas responsables de tout ce qui s'est passé parce que s'ils n'ont pas ces fruits-là, on ne va pas leur acheter. Ou la grande surface, si les fruits sont petits et tout, ils n'achèteront pas. Donc en fait, ils sont dans ce cercle infernal. Et là, les produits, même s'ils ont eux l'impression, ils font un certain... Et je disais, moi, inconsciemment, je pense qu'ils sont conscients de ça. Mais c'est très difficile, très souvent, ils pensent qu'on les critique, qu'on les agresse. Mais en fait, on agresse ces multinationales qui ont complètement rendu, esclaves. Et puis même nous, parce que nous, consommateurs... Enfin, citoyens, on est esclaves de ces multinationales qui, en fait, possèdent le vivant, ont breveté les graines, disent aux agriculteurs, si vous ne faites pas ça, ça, ça ne va pas aller. Les produits ne sont pas de qualité. Vous achetez des médicaments ou des compléments alimentaires, vous êtes malade, c'est les mêmes boîtes qui font les médicaments, et en fait, on est dans un cercle infernal, et on n'en sort pas. Et ceux qui sont gagnants dans cette affaire, c'est quand même ces grosses, ces multinationales qui, en fait, dans un cynisme total, disent on va s'occuper de vous et voilà. Quand vous pensez, alors bon, sur le net, on a dit que c'était, moi j'ai eu cette information où c'est le prix Nobel et tu m'as dit que c'est pas vraiment le prix Nobel. Bon, disons qu'il y a eu une remise de prix à Monsanto sur l'agriculture cette année en 2013
pour deux chercheurs de Monsanto pour des produits OGM qui allaient, je crois que c'est du blé, pour des produits OGM qui allaient sauver la planète de la malnutrition. Il y a quand même quelque chose qui tombe pas. Les masques tombent, ils n'ont vraiment plus de... Ils n'ont plus vraiment... Ils n'ont okay. plus, aucune vraiment plus de catin, plus de scrupules. Okay. Quand même, moi, j'en suis... Le grand prix, l'humanité. Voilà. Sauveur l'humanité. Voilà, donc moi, j'en suis... C'est énorme. C'est énorme. Non, c'est énorme. On va faire une petite pause parce que on a une petite collation qui nous attend. On pensera à vous et puis on reprendra parce qu'il y a pas mal de questions sur le chat et beaucoup de gens d'ailleurs qui vous saluent et qui sont très contents de vous voir ici. Mais on vous salue aussi. Voilà, on les salue aussi, nous. Voilà, on vous salue. Énormément de soutien. voilà, et, on va poser ensuite, j'ai vu que vous avez posé effectivement les questions, Victor Doundoum, Zumba, Youssouf le Croyant, etc. On posera les questions au retour de la pause. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et Stéphane, il vous a concocté, comme d'habitude, une petite playlist. Je crois qu'il y a des petits passages de Pierre Rabhi, des clips, etc. Voilà. À tout de suite. À tout à l'heure.